Qu'est-ce que Dieu a fait? Quelque chose de concret que Dieu a réalisé dans votre vie? Si c'était une question, c'était quoi la réponse? Je suis née prématurée et quand je grandissais, j'avais ce qu'on appelle l'asthme. Dans ma famille, il n'y a personne qui a l'asthme. Je suis été la première personne. Et au fur et à mesure, l'âge avançait, la maladie augmentait aussi. Je faisais des crises terribles. Je ne pouvais pas parler comme ça. Je ne pouvais pas rester dans la chambre. Quand il fait trop chaud comme ça, je ne peux pas rester. Quand il fait trop froid, je ne peux pas rester là. C'était impossible. Dans ma vie, c'était l'hôpital. Un jour, je suis entrée à l'hôpital, j'avais 13 ou 14 ans. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me laisses en vie, si tu me guéris, tu enlèves cette maladie, je vais te servir toute ma vie. Je vais te donner ma jeunesse. Parce que j'ai plus cette maladie-là, Dieu m'a guéri. Même si tu ne traverses aucun moment difficile, sache que le salut n'est pas venu uniquement pour te guérir, mais il est venu parce que après la vie, il y a une autre vie. Après cette vie sur terre, que sera ton éternité? Où iras-tu? Que deviendras-tu? Jésus a besoin de sauver ton âme et ce salut peut venir par une guérison, par le pardon de ton péché, mais aussi te rendre un enfant de Dieu.